Bonjour à tous, merci d'être là. On commence un petit peu en retard, on a attendu les derniers retardataires. Je vais commencer par un petit tour de table pour savoir si vous m'entendez correctement. Est-ce que vous pouvez me dire oui ou non dans la petite fenêtre de chat? Alors, a priori, vous m'entendez correctement. J'ai des réponses positives, donc on va pouvoir commencer. Donc, bienvenue sur ce webinaire. Merci à Progis de nous permettre de proposer de vous montrer un petit peu la gamme ISO. Donc, aujourd'hui, on va parler donc des moniteurs ISO et de la gamme ColorEdge. Donc, moi je me présente, je m'appelle Fred Roll, je suis photographe retoucheur de formation et maintenant je m'occupe de toute la gestion couleur chez ISO Feeder, donc tout le color management, que ce soit l'acquisition, la gestion de la couleur, tout le flux de la production. Au niveau du déroulé du webinaire, on va commencer. Donc, je vais vous parler rapidement un petit peu de d'ISO. Ensuite, on verra les caractéristiques globales et communes de la gamme ColorEdge, qui sont les moniteurs dédiés à la gestion de la couleur chez ISO. On verra ensuite les cinq points, pardon, clés d'une image qui font la qualité d'une image, ce qui nous permettra de rebondir sur le HDR, de faire une petite vulgarisation sur le HDR, présenter les moniteurs qui en sont capables dans la gamme ISO. Puis après, on ira plus précisément sur le détail de chacun des moniteurs de la gamme ColorEdge. Et enfin, on parlera de Color Navigator 7, qui est la partie logicielle et des services qu'on peut apporter. Alors tout d'abord, ISO, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire image en japonais. C'est une société qui fabrique des écrans depuis plus de 50 ans et qui est spécialisée vraiment dans la construction de produits visuels. Alors la particularité d'ISO, c'est que c'est probablement un des seuls fabricants au monde à internaliser l'ensemble de sa production, c'est-à-dire qu'on a nos usines qui sont au Japon et en Allemagne. Et l'ensemble des composants est fait à la maison. Et quand je dis l'ensemble, ça va être le processeur, bien évidemment, qui va gérer le signal gamma, mais tous les autres composants, les transistors, la carte mère, les plastiques, les sondes de calibration, voilà, l'ensemble qui constitue l'écran. Et c'est ça qui permet à ISO d'avoir un contrôle qualité qui est très exigeant, qui nous permet d'avoir notamment 5 ans de garantie. Pour la petite histoire, sur la partie droite, en bas à droite de l'image, vous voyez une chambre anéchoïde qui permettait à l'époque notamment de simuler la magnétosphère, donc le champ magnétique de la Terre, en fonction de l'endroit où vous étiez sur le globe, pour pouvoir régler les écrans de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation en fonction que vous soyez aux États-Unis, en France, au Japon. Là, on peut voir par exemple un écran qui est sur un banc de test avec probablement une Minolta qui est en train de le calibrer. Alors, ColorEdge, c'est le nec plus ultra des moniteurs art graphique de la gestion de la couleur. Et quel que soit en fait vos besoins en colorimétrie, il y aura toujours un produit. On va pouvoir vous proposer une solution qui conviendra, que ce soit en termes d'ergonomie, de taille et de fonctionnalité au niveau de la chromie. Alors, on va commencer par présenter la gamme ColorEdge. Alors, la gamme ColorEdge va se diviser en deux sous-gammes, les CG d'un côté et les CS de l'autre. Alors, les CG, vous allez avoir un line-up de 6 produits avec le grand frère ici, le fleuron de la gamme, qui est le CG 3146, donc un 32 pouces, jusqu'à l'entrée de gamme, le CG 24. Alors, ces moniteurs sont utilisés bien évidemment dans la post-production, dans les VFX, dans la photo, dans le design, dans le print, dès qu'on a besoin d'un besoin critique de couleur. Et enfin, on va voir d'un autre côté la gamme CS. Donc, pour les amateurs et les passionnés, alors amateur, j'aime pas forcément ce terme, ça va être pour des besoins moins critiques en colorimétrie. Voilà. Et donc, ces moniteurs sont essentiellement utilisés en photo, en design et en prod. Alors, on va faire les caractéristiques communes de l'ensemble de la gamme ColorEdge. Alors, la première chose, ça va être le circuit ASIC d'ISO. Donc, c'est l'équivalent du processeur. Donc, qui est fait lui aussi en interne et qui va contrôler le niveau gamma, donc les canaux RVB de chaque moniteur et va être traité en fonction du type de dalle et du moniteur.
Autre caractéristique, c'est les dalles anti-reflets. Donc tous les écrans sont mats dans la gamme Color Edge. Alors on a une technologie en fait de breveté de surcouche anti-reflet qui va venir sur la surface et qui va permettre sur tous les rayons de lumière qui vont être dans la pièce de les diffracter complètement et donc de diluer en fait l'intensité lumineuse pour qu'il n'y ait pas de reflet. Alors le gros intérêt, ça va être surtout sur la fatigue oculaire parce que quand vous avez un écran brillant, vous allez avoir énormément de reflets sur votre dalle et vous allez être constamment en train de faire des efforts visuels supplémentaires ou de bouger la tête à droite à gauche pour pouvoir apprécier. Donc ça, c'est très important. On a aussi des dalles IPS, donc E-plane switching. Donc c'est une technologie de dalle parmi tant d'autres. Cette technologie, c'est la meilleure aujourd'hui. Donc il en existe d'autres, hein, qui ont des qualités aussi, le TN, le VA, le MVA, l'OLED, on en parlera plus tard. L'IPS, l'intérêt, c'est vraiment des angles de vision très ouverts, ce qui va nous permettre de travailler à plusieurs personnes en face d'un moniteur. Et quand on va se pencher de gauche à droite ou de haut en bas, on va avoir très peu de phénomènes de perte de contraste ou de perte de luminosité. Alors au niveau des gamuts, gamut qui va dire le volume couleur, ce que vous voyez en face de vous, pardon, c'est le sabot de macadam. Donc c'est une des nombreuses façons de représenter l'ensemble des couleurs visibles par l'œil humain, qui est celle-ci. Là, ce que vous voyez en surimpression, c'est le gamut qu'on appelle sRGB, hein, qui est défini par ces coordonnées rouge, vert et bleu, à l'intérieur de lequel de ce triangle sont les couleurs qui sont affichables par ce gamut-là. Donc le sRGB, c'est le standard de tous les moniteurs. Pour ceux qui font du print, on peut voir que ce que vous voyez en surimpression maintenant en noir, c'est un espace CMJN. En l'occurrence, c'est du FOGRA 39, qui est une des normes les plus utilisées en Europe et notamment en France. Donc là, on voit qu'un moniteur standard n'arrive pas à couvrir cet espace-là. Et quand on va parler des moniteurs Color Edge, ils vont être tous minimum à 99% d'un espace couleur qui s'appelle l'Adobe RGB et qui lui va intégrer l'ensemble de ces profils-là. Donc quand on dit large gamut, vous allez pouvoir voir donc sur le schéma de droite ici, donc toujours le sabot CIE. Et puis par exemple, vous voyez en jaune ici donc le CG 2420, donc le gamut du CG 2420 qui est l'entrée de gamme dans la gamme CG. Et on peut voir d'ailleurs qu'il dépasse largement l'Adobe RGB dans les verts, un petit peu dans les rouges. C'est juste qu'il va lui manquer un tout petit peu ici dans les verts. C'est pour ça qu'il n'est annoncé que à 99% et pas 100%. Et pareil, on voit pour cette entrée de gamme qui est le CG 2420, on voit qu'on est quasiment à 100% du DCI-P3 qui est représenté ici en bleu ciel. Alors là, je vais vous montrer un gamut en 2D et en 3D. Et pour mieux percevoir et comprendre le phénomène, je vais vous montrer ceci. Hop là. Alors, un instant. Voilà. Donc là, ce que vous voyez ici, donc en 3D, ça va être un gamut Apple RGB. Donc c'est un gamut qui est présent sur les moniteurs Apple. Voilà, donc vous voyez un petit peu son volume. Si je vous compare ça avec, par exemple, un Adobe RGB, que je vais venir mettre un tout petit peu en transparence pour qu'on puisse voir la différence par rapport à l'Apple RGB. On voit qu'on va gagner énormément de valeur dans les verts très saturés, dans les bleus, puis un peu partout dans le spectre, hein, dans les rouges. On peut le voir ici en 2D, hein, à l'extérieur, c'est celui de l'Adobe RGB et à l'intérieur de l'Apple RGB. Maintenant, si on va comparer par exemple toujours cet Apple RGB, mais cette fois-ci avec un Apple RGB, mais qui va être en natif cette fois-ci, en utilisant tout le volume couleur qui est capable d'afficher le moniteur, on voit qu'il est encore supérieur par rapport à un gamut standard Adobe RGB. Donc on va gagner encore plus de valeur. Et si on veut tirer par exemple le maximum d'un écran, là je vais vous montrer par exemple un gamut REG 2020, hein, qui va être utilisé beaucoup en vidéo pour de la post-production ou du cinéma, ce genre de choses. Et là, on voit qu'on a vraiment un gamut extrêmement large, quelle que soit la tranche colorée. Alors là, je vous l'ai montré en 3D, je vais vous le montrer en 2D pour mieux comprendre. Donc toujours à l'intérieur, vous avez le gamut le plus petit qui est l'Apple RGB. En gros, vous avez celui du REG 2020.
Et si je peux vous mettre, par exemple, ce qui est important, c'est que là, on le voit dans la globalité. Mais si je vous mets une découpe, parce qu'il faut bien le voir en trois dimensions, lorsque vous voyez bouger à l'écran, c'est toujours pareil. Ça va être là, on est dans les teintes sombres. Sur l'extérieur, on est toujours sur le gamut de 20-20, l'intérieur sur l'Apple RGB. Donc là, on voit que même dans les teintes sombres, on va gagner énormément, pardon, de valeur. Et ensuite, en fonction du volume, on va voir là, on commence à arriver dans les moyens sombres. Et plus on monte, là, on va arriver à peu près à 50% de luminosité. On voit que dans les verts, dans les rouges, on gagne énormément de saturation. Et après, pareil, plus on va augmenter dans les hautes lumières, là, on va voir, encore une fois, c'est incroyable tout ce qu'on peut gagner en fonction du gamut qu'on utilise. Donc ça, le volume couleur, c'est quelque chose qui va être commun à l'ensemble, des moniteurs ColorEdge, à peu de choses près. Donc chaque dalle de la gamme ColorEdge est codée sur 10 bits. Alors la différence avec le 8 bits, pour bien comprendre, sur du 8 bits, en fait, chaque canal RVB va être codé sur 256 valeurs, donc de 0 à 255. Quand on va passer sur du 10 bits, on va être codé de 0 à 1023, c'est-à-dire 1024 valeurs. Donc en passant sur du 10 bits, on va avoir 64 fois plus de nuances affichables simultanées qu'avec du 8 bits. Alors bien évidemment, ça nécessite une carte graphique 10 bits, mais bon, ça, pour Progis, c'est aussi spécialiste dans les cartes 10 bits. Si vous n'en avez pas, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'en interne, vous allez avoir ce qu'on appelle une LUT, une lookup table, qui va être minimum sur 16 bits, et sur les moniteurs les plus haut de gamme, ça va aller jusqu'à 24 bits. Donc l'intérêt du 16 bits, c'est que même si vous le balancez via votre carte graphique un signal en 8 bits, la LUT interne va étaler, si vous voulez, le signal 8 bits sur 16 bits pour pouvoir le re-restituer sur du 8 bits. Là, en l'occurrence, si vous lui envoyez du 10 bits, elle va de toute façon aussi le réétaler sur 16 ou 24 bits pour le sortir en 10 bits. Donc si on disait que 8 bits c'est 256, 10 bits on est à 1024, 12 bits on va être à 2048, 14 on va être à 4096, 16 on va être à 8000 des brouettes, etc. Donc 24 on est vraiment sur des milliards de milliards de milliards de couleurs affichables à un instant donné pour avoir les dégradés les plus doux possibles, les nuances les plus fines sur un affichage de 10 bits. Au niveau du signal gamma, on parlait du processeur ASIC tout à l'heure. Donc le signal gamma, c'est ça qui va nous permettre d'afficher les 256 tons de notre luminosité. On peut voir que sur un gamma idéal, en fait, on va avoir chaque étape qui est bien graduée. Donc on va dire de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. jusqu'à 256. Sur un moniteur qui ne l'est pas, eh bien on va par exemple passer de 0 à 15, puis de 15 à 22, de 22 à 23, de 23 à 35, de 35 à 42, etc. Et donc cette problématique-là, c'est que quand bien même l'amplitude totale va bien de 0 à 256, elle n'est pas du tout gradée. Et donc ça va arriver vers deux phénomènes. Le premier qui va être les fuites de couleurs, c'est-à-dire que à un endroit donné, en fait, il va y avoir moins de, par exemple, dans ce cas-là, moins de vert et moins de bleu, donc le rouge va dominer, donc on va avoir une dominante, une fuite. Et puis après, quand l'écart dans la gradation est trop important comme là, on va voir carrément une rupture de teinte avec des aplats. Donc c'est pour avoir une image lisse, c'est très important d'avoir un bon signal gamma. Autre caractéristique commune, c'est le DUE, donc Digital Uniformity électrique d'ISO, donc c'est une technologie qui est brevetée. Donc il faut bien comprendre qu'un écran, si tant est qu'il soit bon, il va être correct au centre et plus on va aller vers les bords de la dalle, plus il va être mauvais, il va être moins uniforme. Cette technologie DUE, donc l'électronique qu'il y a derrière, va permettre à ISO d'uniformiser complètement la dalle et d'avoir sur plus de 85%, même, excusez-moi, je crois que c'est 95% de la surface, un delta qui est identique au centre et uniquement sur les bords, vous avez un delta de toute façon qui va être inférieur à 2. Donc là, vous avez un exemple prononcé sur les deux images sur le côté avec les problématiques de color shifting et de luminosité. Il faut savoir qu'une dalle, même si elle est bonne, il faut savoir que sans l'électronique, elle n'est rien. Donc au niveau de la conception des dalles, les dalles sont des. C'est un peu comme dans l'électroménager, vous allez avoir de la gradation en fonction de la consommation électrique, avec du A, B, C, D, E, F, le A étant le mieux, puis au-dessus du A, vous allez avoir du A+, du A++, etc., etc. Sur les dalles à ISO, ne vont être sélectionnées que des dalles triple A, et sur ces dalles triple A, il va y avoir un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième tri. Pour ne prendre que la crème de la crème, et tout ça combiné à l'électronique d'ISO va faire qu'on va avoir un affichage complètement stable.
Autre caractéristique commune, c'est tous les moniteurs ColorEdge vont avoir une sonde de température qui est intégrée à l'intérieur de l'écran. Il faut savoir ce qui fait varier notamment le point blanc qu'on va mesurer généralement en degrés Kelvin. Donc avec des degrés Kelvin 5000 par exemple ou 4000 qui vont être très chauds et puis plus on va monter jusqu'à 10 000 plus on va être très bleu. Eh bien c'est la température des composants électriques qui en changeant au niveau du fonctionnement va changer le point blanc. Cette sonde de température qui est à l'intérieur des moniteurs ColorEdge va tenter va premièrement mesurer la température des composants en interne et va tenter d'estimer la température externe pour pouvoir l'ajuster en temps réel plusieurs milliers de fois par seconde pour que le point blanc soit le plus juste possible. Sur les modèles les plus haut de gamme, comme le 3146, hein, le 3145 c'était son petit frère et le 319, on utilise depuis quelques années de l'intelligence artificielle. Donc intelligence, j'aime pas trop le mot, enfin faut pas le comprendre en français comme quelque chose d'intelligent, c'est plus intelligence au sens information, c'est par l'accumulation de multiples cas de figure que on arrive à anticiper les changements de température. Donc un exemple, vous êtes dans une pièce l'hiver, chauffée, vous ouvrez votre fenêtre, il y a une vague de froid qui arrive. De par l'intelligence artificielle, va pouvoir encore plus affiner la tension électrique et sur l'électronique de manière à ce que la détection et de la température ambiante, etc., soit la plus fine possible pour que notre réglage soit le plus précis possible. En termes d'ergonomie, sur tous les moniteurs, on va avoir une poignée de transport. Donc ça peut être très utile quand vous êtes sur un shooting pour trimballer les écrans. Ça vous évite d'appuyer sur la plasturgie qui, elle, peut venir pincer la dalle. Et on va aussi avoir un hub USB. Donc généralement, c'est de l'USB 3.1 avec un certain nombre de ports qui va varier en fonction de l'écran sur le côté, de manière à pouvoir brancher un clavier, une souris, un disque dur, enfin n'importe quel périphérique USB. Au niveau de l'ergonomie, aussi très important, tous les moniteurs sont réglables en hauteur, jusqu'à ras du sol, jusqu'à ras du pied. Ils peuvent s'incliner de haut en bas, ils peuvent passer en mode portrait, sauf pour les 32 pouces. Ils ont aussi la rotation qui permet de faire tourner l'écran sur son axe, donc sans effort, avec un simple doigt, on peut tourner l'écran pour le montrer à son voisin ou son client. Au niveau des garanties maintenant, comme je vous le disais, du fait qu'on fabrique tout en interne, on a une garantie de 5 ans. On est les seuls à le faire dans l'industrie. Et pour les gros projets, on peut augmenter cette garantie sans surcoût. Il faut savoir qu'au-delà de cette garantie de 5 ans, ou par exemple dans un matériel informatique classique, ce qu'on va vous garantir, c'est que votre moniteur, il s'allume pendant 5 ans. Nous, on va vous garantir en plus la luminosité, la couleur et l'uniformité. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'au bout de 5 ans, votre moniteur CG, il doit être aussi bon que le jour où vous l'avez acheté. Et lorsque vous déballez en fait votre moniteur, chaque moniteur en sortie d'usine va être mesuré sur 25 points de mesure, même sur un 24 pouces, hein, donc ça fait des zones très petites. Et vous avez une sorte de carte d'identité qui vous dit, ben voilà, votre moniteur par rapport au centre, il est à tant de candela, tant de nits, telle température, etc. Et nous, on vous garantit pendant 5 ans un delta E inférieur à 2. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la notion de delta E, le delta E, ça va être la différence si je reprenais par exemple mon espace CIE ou l'espace LAB, hein, c'est la même chose. Et bien, si je reprends cet espace-là, le delta E, c'est une façon de mesurer une différence entre là où devrait être une couleur, par exemple celle-ci, et là où elle va apparaître. Okay? Et donc cette différence est mesurée en delta E. On va considérer qu'avec un delta E inférieur à 3, c'est quelque chose où un œil moyen ne voit pas la différence. En dessous de 2, on considère que c'est impossible de voir la différence à l'œil nu. Hein, ceux qui vous le disent, moi, j'y crois pas. Et enfin, en dessous de 2, ben, c'est mesurable avec des instruments spécifiques, hein, des colorimètres, des spectrophotomètres, mais c'est pas visible à l'œil. Et donc, l'intégralité de la dalle est inférieure à 2, et généralement, quand on fait des rapports, on se rend compte qu'on est plus dans de l'ordre de 0, quelque chose, c'est-à-dire de la perfection. Enfin, on garantit aussi 0 pixel lumineux pendant 6 mois, à partir de la date d'achat. Donc, pourquoi 6 mois seulement? Peut-être vous allez me dire. 6 mois, c'est déjà la plus grande garantie qui existe dans l'industrie. Et en plus de ça, comme je vous disais, on a un tri qui est extrêmement sélectif sur les dalles, et puis on va les faire agir 2 fois, et ça, on est les seuls à le faire. On va les faire vieillir pendant de longues périodes, on va les stresser de manière à éliminer en fait toutes les dalles qui auraient une faiblesse. Donc généralement, un pixel mort, ça arrive soit au déballage, soit dans les jours qui suivent la réception de l'écran, mais généralement après, à moins que vous mettiez un gros choc dedans, il y a très peu de chances d'avoir un pixel mort. Au niveau de la gamme ColorEdge,
J'ai décidé de la séparer en trois sous-catégories, donc professionnel, semi-pro et ambitieux, en fonction de vos besoins colorimétriques. Donc là, on a vu les caractéristiques communes globales à toute la gamme ColorEdge. Là, je vais développer les caractéristiques propres à la gamme CG de ColorEdge. Donc la première chose, c'est ce que vous voyez ici, c'est de la sonde de calibration qui est intégrée dans la plasturgie. Donc c'est une sonde de calibration qui est fabriquée par ISO pour les moniteurs ISO, pour la technologie de la dalle dans laquelle elle est implémentée, ce qui veut dire que vous n'aurez pas de meilleurs résultats avec une sonde externe, excepté si vous avez du matériel très professionnel, type Konica Minolta, Colorimétrie Research, Klein, donc c'est des spectros et des colorimètres qui faut compter à peu près une dizaine de milliers d'euros pièce pour pouvoir, voilà, là vous allez encore une fois avoir des meilleurs résultats, vous allez grappiller dans les noirs, mais ça ne sera pas forcément visible. Donc cette sonde de calibration qui est intégrée sur tous les modèles CG va permettre à l'utilisateur de rendre le réétalonnage de façon automatique. On va pouvoir définir le dimanche à 3 h du matin, même s'il n'y a aucune machine qui est connectée à l'écran, l'écran va s'allumer et va pouvoir se calibrer tout seul. Autre caractéristique commune, c'est la stabilité de l'écran. Sur un écran traditionnel, entre le moment où vous l'allumez, le temps que les composants chauffent et qu'ils montent en température, il faut compter 30 minutes à 1 heure. Sur toute la gamme CG, en seulement 3 minutes, il va se stabiliser. Donc là, vous le voyez sur le petit graphique, à l'allumage, en fait, le gamma et les signaux RVD vont pas forcément être alignés. Il va falloir un petit peu de temps avant que ça se stabilise. Donc là, 3 minutes, arrivé le matin, on a à peine le temps de se faire un café, on peut déjà bosser. Autre caractéristique, ça va être la casquette d'écran anti-reflet qui est fournie. Donc il y a pour moi pas mal d'avantages. La première, c'est de s'isoler de ce qu'il y a derrière l'écran quand on travaille dans un bureau ouvert, par exemple. Ça permet vraiment de se concentrer sur l'image. Ça va surtout, comme son nom le dit, la casquette anti-reflet, éviter les rayons de lumière parasites qui peuvent venir de part et d'autre. Et accessoirement, ça protège de la lumière. Autre chose sur les CG, donc tout à l'heure on parlait de moniteurs professionnels et ambitieux, sur les moniteurs qui se terminent par un X, donc le 319X, le 279X et le 247X, on va avoir ce qu'on appelle une 3D lutte. Donc un écran conventionnel, on va dire, n'a pas de lutte. Un écran qui a une lutte 1D, donc ça veut dire que chaque canal RVD va pouvoir être manipulé indépendamment des deux autres. Quand on n'a pas de lutte, eh bien dès que vous allez, la somme du R, du V, du B fait du blanc, dès que vous allez bouger un des trois canaux, ben forcément vous allez impacter les deux autres. Et enfin, la 3D lutte, ça va être qui va être défini par un certain nombre de points. Donc, on va avoir ces primaires rouge, vert, bleu, ainsi que les complémentaires cyan, magenta, jaune. Et en gros, on va séparer en trois dimensions l'ensemble des couleurs présentes dans l'image. Ce qui veut dire que si vous prenez, ce qui va nous permettre de donner un look. Donc, par exemple, cette image-là qui va être très dans les cyan, dans les bleus, eh bien, bleu-vert, on va dire, ben, je pourrais piquer ce vert-là, le glisser vers le jaune, tout passerait jaune, mais en rien ne serait impacté, les teintes de chair, les ongles, etc. Seule la couleur que vous allez sélectionner va pouvoir être manipulée dans l'intégralité du globe sur les deux plans de chromacité, de saturation, de luminosité. Donc, très important en vidéo. Enfin, pour ceux qui font également du print, on va être certifié sur les deux organismes les plus utilisés, les plus répandus, les plus certifiés, donc le TÜV Color Accuracy, qui est un organisme qui décerne, un organisme indépendant, qui va décerner la bonne qualité d'affichage d'un périphérique. Est-ce que tel ou tel périphérique reproduit correctement la couleur telle qu'il devrait le faire. Donc on est certifié là-dessus et pour l'impression, tous les moniteurs sont certifiés faux gras certes pour faire du soft-proofing, le faux gras étant l'organisme mondial qui certifie tout ça. Pour ceux qui font de la vidéo, on va avoir par exemple intégré à l'écran des fonctionnalités accessibles via les boutons en façade d'avertissement. Donc quand par exemple on va traiter une vidéo en BT709 pour la télévision, et qu'on va aussi vouloir la traiter en 2020 pour la vidéo à la demande, par exemple, mais on va pouvoir afficher à l'écran sur impression bah, des avertissements hors gamut ou des avertissements hors pic luminosité. Enfin, on va avoir des noirs profonds sur tous la gamme CG. Alors, il faut bien comprendre que sur une technologie LED, IPS, le rétroéclairage est toujours actif. Donc, quand vous affichez du noir, vous affichez quand même quelque chose. Il n'y a pas possibilité, comme l'OLED, de contraindre complètement le rétroéclairage. Donc, ce qui va se traduire par, surtout lorsque vous êtes dans une pièce sombre, avoir des noirs un petit peu laiteux.
Nous, on a sur les CG, on a un deuxième film de rétention qui va se polariser, qui va venir bloquer un maximum le rétroéclairage de manière à avoir des noirs le plus profond que possible que le permette la technologie IPS LCD. Vous allez avoir en façade un menu qui va vous donner accès rapidement à un certain nombre de modes colorimétriques qui vont être calibrés d'usine et que vous allez pouvoir personnaliser en fonction de vos besoins. Donc là, on peut voir pour l'Adobe RGB, l'US RGB, pour ceux qui vont faire du web, par exemple, et puis après pour de la vidéo, du 709, le DCI-P3, le Rec 2020. Voilà. Et en appuyant sur ce bouton-là, vous allez pouvoir basculer d'un mode à l'autre. Enfin, j'insiste sur ce point, quand bien même la plupart des moniteurs ISO ne sont pas pourvus de connectique BNC, ce sont bien des moniteurs vidéo et non pas des moniteurs PC, et ils savent bien évidemment en natif gérer l'entrelacé, le progressif et faire la conversion tout seul comme un grand. Au niveau des résolutions, on va proposer donc des petites résolutions comme le 1K, le 2K, le 4K UHD, hein, le 4K marketing de 3840 2160, ainsi que du vrai 4K DCI en 4096 2160 pour notamment les CGI, les VFX, etc. Alors là, je voulais juste vous dire ça parce que on a reçu deux récompenses récemment dont on est très fier. La première, c'est de la HPA, la Hollywood Professional Association, qui est un organisme très important aux États-Unis et qui, pour ses 15 ans, nous a décerné le prix de l'excellence de l'ingénierie pour notre modèle Prominence CG3146, qui est un moniteur de référence grade 1. 1A SDR, 1B HDR, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux sur le marché, et qui est le premier moniteur au monde avec sonde de calibration intégrée. Voilà, donc on développera, donc on est très content de ça. Et là, deuxième récompense, il y a quelques semaines, on a donc reçu l'équivalent d'un Oscar hein, de l'Académie des arts et des sciences du cinéma. On a reçu le SciTech Award. Et avec tout un tas de gros studios de production que certains d'entre vous devraient connaître, comme par exemple la Walt Disney Animation Studio, les studios Ghibli, Pixar Animation Studio, etc., ou l'ensemble des films que vous voyez là, donc, par exemple Industrial Light and Magic qui ont fait énormément de Star Wars, ou plus notamment, on a fait un case study avec Skydance Media pour le dernier Terminator Dark Fate, où l'ensemble de la production a été faite sur Ecosystem et ISO Color Edge. Il faut savoir que les équipes étaient un peu dispatchées partout sur le globe. Il y avait des VFX qui se faisaient à Hong Kong, d'autres à Singapour, d'autres en Californie. Et de par les solutions de sonde de calibration intégrée, de Color Navigator Network, dont on parlera plus tard, qui est une solution web qui va permettre de contrôler à distance l'ensemble des moniteurs, ils ont pu accomplir leurs tâches avec brio. Et vous avez le lien là-bas si vous voulez en savoir plus. Je vais parler maintenant des cinq éléments qui font la qualité d'une image élevée et ce qui va me permettre d'enchaîner sur le HDR. Donc, il y a la résolution d'un côté, la profondeur de couleur, hein, donc qui se mesure en bits, le nombre d'images par seconde, le gamut, donc le volume de couleur avec lequel on va travailler, et enfin, on va voir la luminosité. Et il faut savoir que la luminosité, on était limité au SDR. SDR, qui est une technologie qu'on traîne depuis les moniteurs cathodiques. Et récemment, il y a eu vraiment un bond. C'était la seule chose qui n'avait pas évolué depuis des années. C'est ce boost en luminosité qui va nous permettre d'augmenter ce cinquième point de la qualité d'une image. Donc la résolution, je vous apprends rien, mais c'est juste de la. Une manière de récapituler, pardon. Plus on a de pixels, plus notre image va être définie. Hein, donc 2K, 4K, 8K. Aujourd'hui, on est sur du 4K. Le 4K UHD, hein, donc 4 fois la 1K, en sachant que sur du 4K, on a bien 4 fois le signal Full HD. On tend vers la 8K. Il n'y a pas encore vraiment de contenu ni les moyens de diffusion. Mais voilà, puis après, il y aura le 16K, le 32K, etc. Après, on va voir la profondeur de bit. On en parlait tout à l'heure. Donc, c'est l'échelle sur laquelle va être gradée les couleurs. Hein. Donc, un bit, ça va être noir et blanc. Et plus vous allez grader, plus vous avez de bits, plus vous allez avoir de finesse de transition. Voilà. Donc, on va être sur du 10 bits. Et aujourd'hui, on va avoir donc les dalles. La plupart des dalles, 99% des dalles sont en 10 bits. Mais maintenant, les luttes en interne
peuvent proposer du 12 bits, voire plus. Et donc, on va être sur du milliard de couleurs. Le nombre d'images, c'est la fréquence, hein. Plus on va avoir d'images concentrées en une seule seconde, plus le mouvement va être fluide. Et aujourd'hui, notamment pour la norme BT2020, pour ceux qui connaissent, la norme valide du 8K à 120 images par seconde. Technologiquement, on n'y est pas encore, mais la norme est là. Le gamut, donc l'éclat des couleurs, le volume de couleurs que l'œil humain peut voir, donc toujours le sabot de macadam qui représente l'ensemble des couleurs. Et là, on peut voir de façon simplifiée deux gamuts les plus utilisés en vidéo, le REC 709 pour la diffusion TV et le REC 2020 pour ce qui va être VOD. Maintenant, je vais parler de la luminosité, c'est-à-dire l'intensité de l'éclairage entre le noir le plus profond et le blanc le plus profond. Alors, ça peut porter à discussion, mais les chiffres peuvent être discutables, mais grosso modo, on va considérer que l'œil humain voit à peu près 10, il a une amplitude de 10 puissance 12, ce qui va lui permettre de voir, notamment grâce à sa pupille, dans une nuit noire, décerner certaines choses et d'aller jusqu'à un soleil très brillant à plus de 10 puissance 6. Une télé traditionnelle, classique, elle va avoir une amplitude ici, c'est à l'échelle de 10 puissance 3, donc on voit que c'est très limité. Et donc là, ce que propose le HDR aujourd'hui, donc même s'il a été normé à 10 000 nits, 10 000 candela, pour l'instant, la plupart des contenus vont être filmés et diffusés en 10 puissance 5 nits. Donc on a quand même un fois 100 en termes d'amplitude par rapport à ce qui se faisait aujourd'hui, ce qui est vraiment pas négligeable. Donc là, qu'est-ce que le HDR? Si on regarde l'image de gauche, eh bien, quand on va être avec une caméra, photo ou vidéo, quand on veut exposer pour les valeurs médianes ou hautes de l'image, eh bien, on va avoir des ombres qui sont complètement bouchées et sans détails. À l'inverse, quand on va vouloir voir les détails dans les basses lumières, on va griller ces hautes lumières et surtout on va perdre en saturation. Le HDR, pour High Dynamic Range ou plage dynamique élevée, va tenter d'augmenter cette plage de luminosité et aussi accessoirement de gamut, de volume couleur, et donc nous permettre sur la même image à la fois d'avoir des détails dans les basses et dans les hautes lumières. Donc là, par exemple, pour un appareil photo numérique, on va voir, là, vous avez un cas concret. Vous voyez ici la plage dynamique d'une image, enfin la plage dynamique de votre capteur. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est tout ce qui va être dans les zones sombres et en deçà, et tout ce qui va être dans les hautes lumières et au-dessus, tel que vous voyez la courbe ici en bleu, eh bien, les valeurs vont être simplement jetées. Donc, on perd complètement de détails. En photo, il y a par exemple le soi-disant le HDR, mais qui n'en est pas un, où on va prendre une photo qui va être exposée pour les hautes lumières ici, une photo qui va être exposée pour les basses lumières, et ensuite, via logiciel, on va combiner ces deux clichés, et ça va souvent nous donner un résultat un petit peu dégueulasse. Et c'est pas du HDR, c'est de la compression qu'on appelle aussi tone mapping. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que le haut de la courbe, plutôt que de clipper tout ce qu'il y a au-dessus, on va prendre le point le plus haut, on va venir l'écraser un petit peu, et donc on va avoir une transition qui est un peu plus douce dans les basses et dans les hautes lumières. Voilà, ça fait la blague, mais c'est pas évident. Alors en vidéo, le HDR, si on prend ce schéma-là, par rapport à ce que vous allez voir, entre le moment de la capture, de la post-production, du mastering, de la distribution et du display, à chaque fois, on va avoir des goulets d'étranglement qui vont, quand bien même on avait vu ça et on a le matériel capable d'encaisser toute la dynamique d'une scène. In fine, on va rester sur une plage très ridicule avec un noir de 0,05 nits jusqu'à 100 nits, 100 candela par mètre carré. Ce que veut le HDR, à chacune de ces étapes, c'est d'éviter ce goulet d'étranglement de manière à garder le maximum de données entre l'acquisition et la diffusion sur affichage. Donc aujourd'hui, la norme, elle a été validée à 0,0005 candela, ce qui est extrêmement faible, et jusqu'à 10 000 candela, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'en y est pas, on y sera d'ici peut-être une dizaine d'années, voire plus, en fonction de comment la technologie avance. Donc là, je reprends ce que je vous montrais tout à l'heure. Hein, pareil, on voit bien qu'en SDR, les plages ici, elles sont clippées, notamment dans l'échelle de gris. Ce que va tenter de faire le HDR, eh bien lui, comparé à l'image d'avant, vous voyez bien, c'est étendre réellement cette plage dynamique, hein, c'est d'en avoir beaucoup plus, pour pouvoir sur la même image capter plus de valeurs dans les basses et dans les hautes lumières. Donc là, vous avez un comparatif, SDR sur la gauche,
Le HDR avec tone mapping, où en fait tout ce qu'on fait, c'est grappiller un peu de saturation et à peine, alors qu'un vrai HDR, là, on a vraiment augmenté la plage dynamique avec des pics lumineux plus importants et des noirs plus profonds. Alors après, il faut se méfier sur le HDR parce qu'on entend tout et n'importe quoi. Sur le HDR, il y a plein de fausses technologies. Donc, la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle le contraste dynamique, où en gros, via algorithme logiciel, votre affichage va analyser les valeurs d'une scène donnée, comme par exemple ici dans les valeurs sombres, et va re-interpoler ces valeurs-là sur du 8 bits en 0, de 0 à 255, de manière de lisser un peu plus, et ça fera ça image par image, enfin, en fonction des technos. Donc, ça fait la blague, mais pas pour avoir c'est bien pour l'utilisateur final, hein, le consumer, c'est devant sa télé, mais en termes de color grading, c'est pas évident. Et ensuite, celui-ci, le tone mapping qu'on a évoqué tout à l'heure, qui n'est pas du HDR. Alors pour finir sur le HDR et sans rentrer trop dans la technique, il va y avoir deux grandes normes. Il va y avoir le PQ d'un côté, donc Perceptual Quantization, qui va être une norme qui va être défendue par Dolby Vision, qui est la norme la plus qualitative. Et de l'autre côté, vous allez avoir l'HLG, l'Hybrid Log Gamma, qui, elle, défendue par la BBC et la NHK. Les grosses différences entre ces deux, c'est que le HLG se veut une technologie HDR rétrocompatible, c'est-à-dire qu'on envoie un signal et le signal va s'adapter en fonction du périphérique de diffusion, qu'il soit SDR ou HDR, avec un rendu plus ou moins bon. Le PQ, lui, il faut que toute la chaîne soit PQ, que la source soit PQ, que l'affichage soit PQ, et l'intérêt, c'est qu'on a une qualité d'image exceptionnelle. On va voir, donc là, vous avez un schéma, pardon, qui vous illustre ce que je vous disais. En bleu, vous avez la courbe PQ, hein, donc qui va monter par exemple jusqu'à 1000 nits. Et en rouge, ici, vous allez avoir le HLG qui va plus ou moins se comprimer en fonction de la valeur de votre affichage. Pareil pour le HLG, hein, c'est le même schéma. On va voir, et la problématique du HLG, c'est comme on peut le voir ici, bah, les courbes vont être complètement différentes en fonction du pic de luminosité, donc les noirs, le ratio du contraste global, tout ça va changer. Alors maintenant, je vais vous parler de technologies. Donc, il y a l'OLED, pour finir sur le prominence. L'OLED, donc, qui est une technologie dont on entend beaucoup parler, qui a des énormes avantages, notamment le rapport de contraste. Donc, on parle souvent à tort de contraste infini. Alors, le contraste, c'est bien le rapport entre le point le plus noir et le point le plus lumineux. La technologie, l'intérêt de l'OLED, c'est que chaque pixel émet sa propre lumière. Il n'y a pas de rétroéclairage comme sur du LED, ce qui fait que si on dit au pixel de rien afficher, il affiche un noir quasiment parfait. Donc le taux de contraste est théoriquement infini si on arrive à monter en luminosité à l'infini, mais ce qui n'est pas le cas sur l'OLED où on n'arrive pas à avoir de très hauts pics lumineux. On a un temps de réponse aussi qui est imbattable et on a un gamut qui est donc un volume de couleur qui est très très grand. Les moins, c'est que le gamut, il est extrêmement grand, donc pas représentatif pour un moniteur standard. L'autre problématique, c'est la durée de vie, c'est-à-dire que l'OLED aujourd'hui est une technologie qui n'est pas mesurée, maîtrisée encore. On va avoir des dérives très significatives dans les verts et dans les bleus au bout de quelques années d'utilisation. Et enfin, il va y avoir des phénomènes de marquage, c'est-à-dire que sur un écran OLED, si vous laissez afficher votre barre d'outils, que ce soit le petit icône Windows ou la pomme, vous laissez ça pendant des heures et des heures et vous risquez de marquer, de brûler les pixels à ce niveau-là. Autre problématique, ça va être ce qu'on appelle l'ABL, l'Auto Brightness Limitation. Donc l'ABL, c'est une technologie qui va permettre à l'écran OLED de se brider en quelque sorte quand sa surface est trop lumineuse. C'est-à-dire qu'un écran OLED n'est pas capable d'afficher plus de X% de sa surface à X% de sa luminosité maximale. Et donc la problématique de ça, de l'ABL, je vous ai fait une petite vidéo juste pour vous montrer rapidement. Le problème de ça, c'est que quand cette technologie alors se met alors en fonction, en marche, eh bien, elle va venir brider de manière à ce que ça ne brûle pas. Donc là, vous allez voir qu'au fur et à mesure que le carré grandit sur le moniteur, donc je sais la qualité est pas top, c'était filmé au portable, eh bien, vous allez voir que le carré blanc va devenir de plus en plus gris. Et ici, au niveau des primaires RGB, donc vous voyez bien que c'est filmé avec du portable, c'est la qualité pas top, mais vous allez voir qu'il y a un shift de la courbe de gamma qui va être assez incroyable. Là, on commence déjà à le voir, et là, ouf, c'est dramatique. Voilà.
Donc la problématique de ça, si je vous remets la vidéo, c'est vraiment quand on va faire du color grading, on ne peut pas se permettre, parce que là on voit bien, mais on voit bien à quel point le blanc passe en gris et le gamma va shifter. Donc typiquement, si vous tentez d'afficher une image comme vous le voyez ici sur la droite, une image qui est relativement éclairée, pas forcément très brillante, et bien sûr une technologie ABL, OLED, vous allez avoir quelque chose qui va être complètement grisâtre et avec un gamma qui va complètement partir dans les choux. Autre problème de l'OLED, parce que souvent vous voyez des téléviseurs ou autres qui vont vous annoncer du 1000, du 2000 nits, etc. Ou par exemple, Apple aussi récemment sort soi-disant du 2500 nits. Bon, ça me fait rire, c'est ils utilisent notamment ce qu'on appelle du local dimming. Donc le local dimming, ça va consister à une deuxième grille de rétroéclairage derrière la première couche qui va venir de façon ponctuelle par zone accentuer le rétroéclairage. Le problème de cette technologie, c'est que quand vous allez avoir des petits objets ou quand vous allez avoir des objets contrastés, par exemple noir sur blanc, eh bien, vous allez avoir une grosse grappe de LED qui vont s'allumer derrière et vous allez avoir des fuites de lumière comme ça ou des effets de blooming. Donc, plus votre fichier va être petit, plus ça va être compliqué. Pareil au niveau du halo, hein, vous allez avoir, voilà, là, on imagine que derrière ici, il va y avoir des LED qui rétroéclairent. Alors que sur la technologie IPS, vous n'avez pas ça, puisque vous avez un LED de rétroéclairage pour un pixel affiché. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le Prominence. Là, vous voyez la structure classique d'une dalle LCD avec le fil polarisant. Et bien, sur la simple couche du filtre couleur et du polariseur, et bien, sur le Prominence, on a fait un sandwich de deux dalles. Et donc, avec la deuxième couche qui permet de venir bloquer le deuxième rétroéclairage ou au contraire de le laisser passer. Donc là, on a vu la gestion du vrai HDR, hein, grade 1. Maintenant, on a intégré les courbes HDR sur le 319, le 279 et le 240. Donc, ce sont des moniteurs qui ne sont pas capables de monter en natif à 1000 nits, hein, bien évidemment. Ils sont bridés en moyenne à 300-350 candela, mais ils sont capables de correctement interpréter les courbes PQ-HLG. Et pour ça, on a implémenté, en plus des courbes gamma PQ-HLG, on a implémenté une fonction de clipping à 300 ou à 1000 au sein des moniteurs. Donc là, par exemple, imaginons que j'envoie un signal de 1000 nits sur un moniteur de CG319 ou 279. Eh bien, si je sélectionne dans le moniteur le mode PQ300, eh bien, ce qu'il va faire, c'est que sur ma courbe PQ, tout ce qui va être au-dessus de 300 nits, ça va être simplement clippé, jeté. Et ça va me permettre d'afficher correctement toute le bas de la courbe et les basses luminosités, de pouvoir les prévisualiser correctement. À l'inverse, si je choisis le mode PQ1000, eh bien le moniteur va prendre le pic de mon signal à 1000 nits, 1000 candela, et va venir le plaquer sur le bas de la courbe. Donc là, vous avez un schéma un peu plus grand pour vous le montrer. Et donc là, en clippant, eh bien cette fois-ci, je vais pouvoir apprécier énormément mes hautes lumières qui étaient présentes dans mon fichier au détriment des basses lumières. Donc ce switch entre ces deux fonctions va me permettre, quand bien même mon moniteur n'est pas en natif HDR, de pouvoir correctement prendre des décisions sur un flux HDR. Donc là, pareil, vous avez un zoom sur les deux types de compression. Pareil pour la courbe HLG. En mode HLG 300, tout ce qui va être au-dessus de la courbe HLG, donc si on part sur le fait théorique que ce qu'on envoie, c'est un HLG 1000 nits, tout va être clippé. Et si on se met en HLG 1000, eh bien on va venir rabaisser comme le ferait l'HLG de base, va venir le mettre au maximum, au pic lumineux maximal de notre écran, et avec les mêmes caractéristiques que le PQ pour pouvoir contrôler ou non les zones à faible ou haute gradation. Donc là, c'est la même chose avec un peu. Et là, vous avez un zoom sur ces deux modes de gradation. Donc pour le coup, c'est du vrai HDR sans artefact, sans local dimming, sans contraste dynamique, etc. Mais pas en full bande passante. Alors je vais vous parler maintenant de la gamme ColorEdge. Je sais pas pourquoi le prominence était là. Je vais vous parler d'abord du fleuron de la gamme. Donc, pardon. Donc les gammes CG se déclinent en 6 produits. On va avoir 32 pouces, lui qui est très spécial, hein, c'est le vrai HDR. Toutes les gammes qui terminent par X sont capables de gérer le HDR. Ensuite, vous avez les deux entrées de gamme dans la gamme CG.
Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un moniteur de grade 1 certifié Dolby Netflix et c'est le premier moniteur au monde avec une sonde de calibration intégrée. Par rapport à son petit frère, le 3145, on a rajouté la connectique SDI 12G par retour de nos utilisateurs. On va avoir aussi un passerou, donc une boucle disponible. Et parmi tous les petits raffinements, on va avoir une nouvelle molette de navigation qui nous permet de naviguer dans les menus et en poussant sur la molette, ça clique donc pour une ergonomie. Et on a inclus quatre boutons de raccourci ici qui nous permettent d'afficher ou masquer ben, soit des marqueurs de repères, soit de basculer pour un gamut warning, etc., etc. Tout est personnalisable. Au niveau de ses caractéristiques techniques, on a une double dalle IPS, c'est donc un moniteur en 4K DCI, 4096-2160. On a un pitch de 149 points par pouce, connectique SDI 3G, 6G, 12G, DisplayPort, HDMI. On a une LUT 3D en 24 bits. On a un vrai 1000 candela par mètre carré sur l'intégralité de sa surface, hein, simultanée. On l'avait même mesuré avec une Konica Minolta CS2000 à Louis Lumière, à l'école Louis Lumière, à plus de 1100 candela d'une diagonale à l'autre. On a un taux de contraste donc de 1 million pour 1, ce qui est énorme. Au niveau des modes couleurs natifs, ben on avait le HDR avec le PQ, le HLG, DCI-P3. Et on va être à quasiment 100% du DCI-P3 de l'Adobe et on va être sur du 87% du Rec 2020. Connectique, on va avoir un hub de deux ports USB 3.1. Voilà. Si vous avez plus d'informations, de toute façon, on sera là. Son petit frère, le 319, donc au niveau de la dalle, on est sur le même ratio, le même format. On est toujours en 4K DCI, 4096-2160. On a un pitch de 149, connectique DisplayPort HDMI. Taux de luminosité 350 candela, rapport de contraste de 1500 pour 1, et pareil, 100% du DCI-P3 et de l'Adobe RVB. Et puis ça, je ne le dirai plus parce que c'est une caractéristique qui est commune à tous les moniteurs ColorEdge. Son petit frère, le 279, donc même qualité d'image, sauf que cette fois-ci on passe sur un 27 pouces. On est en 2K, 2560-1440 sur un ratio de 16 neuvième. On a DisplayPort HDMI USB-C avec Alternative Display et DVI-D. On a toujours une 3D LUT en 24 bits, taux de contraste de 1300 pour 1, et pareil, les 100% avec un hub 3.1 USB. Son petit frère, le 247X, donc un 24 pouces. 1920-1200, 16 dixièmes, connectique, DisplayPort HDMI, on a une 3D LUT en 16 bits, on a un beau taux de contraste de 1500 pour 1, et pareil, on a la possibilité en option donc d'implémenter les courbes de gamma HDR, PQ et HLG. On a maintenant le CG2730, donc là on n'est plus dans la série X, donc on est par rapport au 279, son grand frère, le facteur forme c'est le même, même diagonale, même tout. Toujours un moniteur en 2K, DP HDMI, DVI. Cette fois-ci, on va passer sur une 1D LUT en 16 bits, 1500 pour 1 de taux de contraste. Là, je vous laisse lire. Le CG2420, donc l'entrée de gamme des CG, c'est celui que j'ai devant moi. On va avoir donc un 24 pouces en 16 dixièmes, 1920-1200, connectique classique, une LUT 1D. Pareil, beau taux de contraste de 1500 pour 1 avec un pic lumineux à 400 candela par mètre carré. Là, vous avez un récap des caractéristiques principales du line-up des CG. Après, pour ceux que ça intéresse, hein, ou qui veulent revoir, si tout se passe bien, c'est-à-dire si l'informatique fonctionne, normalement, vous aurez accès au replay du webinar si vous voulez le revoir à tête reposée ou vous arrêter sur une slide en particulier. Je vais vous présenter maintenant la gamme CS qui va se décliner en trois modèles, le 2740, le 2731 et le 2420. Donc, à la différence, souvenez-vous des CG, hein, ils n'ont pas la casquette qui est fournie, ni la sonde de calibration et ils n'ont pas de LUT 3D. On va dire ça comme ça. Donc, le 2740, qui vient de sortir en septembre, tout nouveau, donc c'est le premier moniteur dans la gamme CS qui supporte la résolution UHD 4K, donc en 3840-2160, en 16 neuvième. On a un pas de pixels de 164, ce qui est très bien. Au niveau des connectiques, en plus des traditionnels DisplayPort HDMI DVI, il introduit le USB-C Thunderbolt. Alors l'USB-C, c'est un peu compliqué pour ceux qui n'ont pas suivi. C'est juste une forme, hein, qui n'a pas besoin de détrompeur. Donc on peut le mettre
vous souvenez, hein, le classique USB, on le met dans un sens, ça marche pas, on le retourne, ça marche toujours pas, et c'était la première dans la phase A que ça marchait. L'USB-C, il a plus ce problème-là, mais l'USB-C, c'est comme une forme qui peut véhiculer plein de choses. Elle peut véhiculer soit de la data, l'USB classique, soit en plus de ça, elle peut être AD, Alternative Display, ça veut dire qu'elle peut véhiculer en plus de la data un signal vidéo, soit elle peut être data et PD, Power Delivery, donc envoyer de l'électricité, soit elle peut être les trois en même temps, donc Alternative Display, Power Delivery et Daisy Chainable en Thunderbolt. C'est la même chose. Là, l'intérêt, c'est que c'est un Power Delivery à 60 watts, ce qui veut dire que si vous avez par exemple un MacBook Pro, pour ne pas les citer, ou un dernier Dell, HP ou autre, peu importe la marque, avec un Thunderbolt 3, hein, je dis bien, eh bien, votre écran ici va être connecté au secteur et avec un seul câble USB-C qui va venir sur votre portable, un seul câble va vous permettre d'afficher, de faire le signal vidéo, d'utiliser au niveau de la data le hub USB qu'il y a sur le côté et de recharger en électricité votre portable sans que vous ayez vous abaisser, vous mettre sous le bureau pour brancher votre chargeur. Donc ça, c'est très intéressant. Au-delà de ça, caractéristiques ben, classiques, hein, 350 candela, 100% des sRGB, de la Dolby RGB, et sur ce moniteur, on va avoir 4 ports USB, 2 en 2 et 2 en 3.1. Le 2731, son petit frère, form factor identique que le 2740, juste la résolution va être plus petite. On va passer de l'UHD au 2K, 2560x1440. Lui aussi introduit la connectique USB-C à 60 watts. Les caractéristiques sont similaires au niveau des ports USB et du volume couleur du gamut. Enfin, l'entrée de gamme du 1624 de la gamme ColorEdge, c'est le 1624-20. En fait, il y a le 1624-10, mais j'en parle pas volontairement ici. On va avoir donc un 24 pouces, 1920x1200, DisplayPort HDMI DVI-D, une lutte 1D 16 bits et pareil, 100% des gamuts les plus utilisés. Donc là, vous avez un récap des trois moniteurs, et puis là, vous avez un schéma qui illustre ce fameux câble unique, un pour tous les rainiers, comme dirait l'autre. Voilà. Là, vous avez un récap de l'ensemble de la gamme ColorEdge, avec photo pro, enfin j'ai mis photo, mais c'est vidéo aussi. Hein. Voilà, puis je vous ai mis aussi visuellement les connectiques si besoin. Pour info, il faut savoir pour ceux qui sont déjà possesseurs de 318, de 248, de 277, de 247 ou de 2740, en option, il est possible via le SAV d'AISO, donc vous pouvez vous rapprocher de Progis directement ou contacter AISO, hein, il est possible d'injecter, de flasher l'écran et d'injecter les profils HDR, PQ et HLG. Donc on a parlé logiciel hardware, maintenant je voulais parler software avec le logiciel Color Navigator 7, qui est le logiciel développé par AISO pour les moniteurs AISO pour la gestion de la couleur. Alors qu'est-ce que l'étalonnage? Bon, vous savez probablement ce que c'est. Moi je voulais juste attirer votre attention sur la différence entre le calibrage logiciel et matériel. Grosso modo, tous les écrans au monde peuvent être calibrés de façon logicielle, où, grosso modo, on va venir tweaker le signal gamma de votre carte vidéo. Donc votre carte vidéo, on va considérer qu'elle envoie du 100% rouge vert bleu. Et là, en fait, la sonde de calibration, grosso modo, c'est un appareil photo hein, avec des filtres RVB qui va venir mesurer une couleur qu'affiche l'écran, la comparer avec ce qu'il a en termes de référence dans sa base de données et voir si il y a une compensation à faire. Donc imaginons que vous faites un calibrage logiciel. Eh bien, si par exemple vous essayez d'avoir un point blanc, par exemple, à 6500 degrés Kelvin, relativement bleu, eh bien peut-être, ou à l'inverse, plus chaud, vous allez devoir baisser très probablement l'intensité d'un des canaux rouge, vert ou bleu. Le fait de baisser directement sur votre moniteur le 100% du bleu en le baissant un petit peu, eh bien tout simplement, bah, ça va vous réduire le nombre de valeurs dans le canal correspondant. Donc c'est quelque chose qui est fastidieux, qui n'est pas propre et qui est machine dépendant, c'est-à-dire que dès que vous allez avoir une mise à jour de votre OS, de votre carte graphique ou autre, la calibration est à refaire et chaque machine, chaque écran doit être calibré pour chaque machine. L'étalonnage matériel, lui, donc, est présent sur tous les moniteurs ColorEdge. En gros, c'est l'électronique à l'intérieur de l'écran, ce qu'on appelle la lutte, qui va se charger de faire la correspondance couleur. Donc, votre carte graphique, elle envoie 100% du RVB, et c'est lui qui fait sa sauce en interne. L'intérêt de ça, c'est qu'on est machine indépendante, c'est-à-dire qu'une fois que le moniteur est correctement caractérisé,
Que vous branchiez un Mac, un PC, un Linux, vous avez systématiquement le même affichage. Alors, je voulais vous parler maintenant rapidement de Color Navigator. Donc, je vais vous le montrer en action de façon très très brève. Donc là, vous voyez la fenêtre principale de Color Navigator où vous allez avoir sur la partie gauche, les cibles qui vont être soit standard, soit avancées. Donc avancées, on va contrôler plus de paramètres. Et dans la partie droite, on va avoir les valeurs qui correspondent à cette cible. Donc quand votre écran sort d'usine, il est précalibré sur un certain nombre de modes. Et puis après, libre à vous, de changer en fonction des modes dont vous avez besoin. Donc là, on voit que je suis sur de l'Adobe RGB. Si je viens sélectionner le BT 2020, vous avez peut-être vu une légère différence colorimétrique sur votre écran. Eh bien, en dynamique, il va m'afficher le profil sélectionné. Là, par exemple, on va pouvoir voir dans la partie de droite cette fois-ci la cible, c'est-à-dire ce qu'on a demandé en luminosité, en niveau de noir, enfin toutes les caractéristiques qui vont définir une cible. Et dans sa partie droite, on va voir le résultat qu'on a obtenu. Au niveau des paramètres du moniteur, quand on parle des moniteurs CG, l'intérêt, c'est, je vais vous montrer ça, c'est qu'on va pouvoir sur un moniteur CG activer ou non l'auto-calibration. Donc là, elle est activée. Par défaut, ça va être par temps d'utilisation. AISO va vous recommander à peu près toutes les 200 heures. Donc 200 heures, c'est à peu près une quinzaine de jours si vous passez 10 heures par jour, enfin 8 heures par jour devant votre écran. Maintenant, après, il faut voir qu'un moniteur, c'est comme une voiture ou un appareil. Quand c'est neuf, il y a besoin de peu d'entretien. Plus ça va vieillir, plus votre écran va être utilisé, plus il faudra le réviser régulièrement. Donc 200 heures, mais par contre, on aurait pu fonctionner par date. Et donc là, par date, on va pouvoir choisir journalier, hebdomadaire, mensuel, trimestriel. Bon, voilà, on va dire par exemple une fois par semaine, tous les dimanches à 3h15 du matin. Et comme je vous le disais, le moniteur, du moment qu'il est connecté au secteur, il va s'allumer, il va monter en température, il va faire sa calibration, il va l'enregistrer à l'intérieur de l'écran. Lorsque vous allumerez, vous connecterez à ce moniteur, le logiciel Color Navigator dialoguera avec le moniteur pour savoir s'il a des informations récupérées. Donc là, j'ai validé, on voit bien que la prochaine action, elle est prévue pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire la semaine prochaine à 3h15 du matin. Au niveau de la création de cibles, alors je ne vais pas passer en revue hein, l'ensemble du logiciel, mais juste pour vous montrer, au niveau de la création d'une nouvelle cible, on va pouvoir soit rentrer les valeurs manuellement. Pour ceux qui font du print, on aurait pu mesurer le blanc du papier, d'un papier, d'un support particulier pour que ce même point blanc soit le même que celui de l'écran. On aurait pu correspondre à une norme prédéfinie de l'industrie ou faire correspondre notre moniteur à un autre moniteur moins performant ou qui se comporte autrement. Donc là, on va rentrer manuellement, je vais faire suivant. Donc là, on va avoir une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et qui va me demander de rentrer les valeurs que je désire pour la luminosité, le niveau de noir, le point blanc en Kelvin, les OTF, hein, le gamma, Electric Optical Transfer Function, la priorité, ça c'est une fonction qui est propre à ISO, et donc le gamut, le volume couleur, et si on crée ou pas de profil ICC. Donc on peut tout rentrer à la main. On peut aussi se servir de presets ici. Donc imaginons par exemple que je veuille faire un BT 709 par exemple. Ouais, voilà. Et au moment où je le sélectionne, eh bien on va voir qu'automatiquement Color Navigator m'a sélectionné toutes les valeurs propres ISO normées du BT 709, à savoir une luminosité à 100, un point blanc des 65, un gamma de 4. Et ainsi qu'un gamut en BT 709. Maintenant, j'aurais pu venir ici glisser à la main de 60 à 120 candélas. J'aurais pu dire que je veux par exemple un 118 candélas, ou bien le minimum ou le maximum. Ok. Donc on va se remettre par exemple sur 100. Pareil pour le niveau de noir. Je peux demander ce que fait de minimum mon moniteur, mais j'aurais pu notamment pour le print décoller mes noirs en fonction du type de sortie, donc mettre un noir moins profond. Au niveau du point blanc, je peux venir choisir une des trois normes les plus utilisées, donc D50, D600, puis DCI pour le cinéma. J'aurais pu en température Kelvin aller de 4000 à 10 000 par tranche de 100 candélas. Et puis si je suis un ninja de la couleur, je peux simplement venir ici rentrer les coordonnées X, Y de mon point blanc dans l'espace CUE. Là, on va rester sur du D65 pour l'exemple, pardon, ici.
Si on descend un petit peu plus loin, pour le gamma, c'est pareil. Vous allez pouvoir naviguer de 1,6 à 2,7, rentrer un gamma particulier, par exemple de 2,41, si vous avez envie. Pouvez vous mettre en LSTAR quand on va faire des VFX notamment, ou directement venir importer un fichier LUT qui, lui, va se charger de votre dynamique de gamma. Donc, on va rester sur entrée standard à 2,4. Voilà. Au niveau de la priorité, ISO va vous proposer trois choses. Standard, c'est standard. Balance des grilles. Ça va être, on va, au détriment peut-être de perte de contraste, on va neutraliser l'échelle de gris de manière à ce qu'il n'y ait pas de dominante du noir au blanc. Et gamma fixe, c'est quelque chose qui est plus utilisé dans la vidéo, c'est on se moque si il y a une légère dérive, mais quand je dis légère, c'est au quatrième chiffre après la virgule dans les gris neutres. On va simplement vouloir avoir le contraste, le volume couleur et le contraste le plus dynamique possible. Au niveau des volumes couleurs, on a aussi pas mal d'options possibles. Natif, c'est tout ce qui est capable de faire de façon native le moniteur. Sinon, on aurait pu venir choisir une norme les plus utilisées, le DCI-P3, le sRGB, etc., le BT, voilà. Et après, on va pouvoir choisir si on clip ou pas les valeurs. C'est-à-dire que si on clip, c'est simplement si j'envoie un signal, par exemple, donc là on était en 709, si j'envoie un signal dont le fichier contient des valeurs qui sont supérieures au volume de couleur du 729, qu'est-ce que fait le moniteur? Est-ce qu'il tente, si par exemple j'ai un vert très saturé, est-ce qu'il tente de le mettre au chausse-pied à l'intérieur ou est-ce qu'il jette les valeurs? Donc ça, c'est des choix techniques libres à chacun. Et enfin, on aurait pu simplement, encore une fois, en tant que ninja, définir précisément les coordonnées XY de nos coordonnées RVB dans l'espace CIE. Donc vous voyez, c'est à la fois très l'interface est intuitive, c'est très simple, on peut aller, c'est très poussé. En même temps, je peux simplement me dire, tiens, je veux un 709, il me valide toutes les normes 709 et je valide sur OK. Et après, j'aurais pu faire en 709 à 90, à 100, à 110, en fonction de si je travaille dans la pénombre ou pas. Là, ma cible a été créée, nommée. Je peux simplement venir la terminer. Et après, on voit que le BT2020, il est passé en gris. Ça veut dire parce qu'il a attribué ici la dernière cible que je viens de créer. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la partie gauche, vous avez six boutons, en gros six boîtes, qui peuvent, elles, venir pointer vers une infinité de cibles que vous avez déjà créées. Donc là, si je lui remets la tac 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 où est-elle? Je ne la vois plus. Voilà, c'était celle-ci. Voilà. Je lui remets, donc elle passait en bleu. C'était la BT2020 Max. Dernière chose que je voulais vous montrer, ça va être notamment l'ajustement manuel. Donc imaginez que vous avez visé une norme, mais le directeur de la couleur, etc., trouve que le moniteur a une dérive trop importante dans les blancs, dans je ne sais pas quoi. Et vous allez pouvoir venir faire un ajustement manuel à l'œil, où là, alors je ne sais pas si ça va se voir sur votre écran, mais vous allez pouvoir venir à la main ici changer ou pas la luminosité. Voilà, pour ajuster de façon très fine avec les moins et les plus. Pareil pour votre point blanc, vous allez pouvoir venir le changer ici en dynamique. Alors vous, il y a peu de chances que vous voyez la différence parce que le réglage, il faudrait être devant mon écran pour s'en apercevoir. Vous pouvez aussi de façon très fine ici rajouter un petit peu de vert, de bleu, etc. Là, on va le remettre, on va le resetter, ça aussi. Mais autre point qui est très intéressant, c'est les six couleurs. C'est-à-dire qu'en plus de mes primaires RVB, je vais avoir mes complémentaires CMJ. Et je vais pouvoir venir, par exemple, ici, définir que je prends mon rouge et uniquement mon rouge. Et vous allez pouvoir le voir sur le schéma qui est ici. Je vais pouvoir changer la teinte de mon rouge. Et donc là, on voit qu'il veut venir passer comment dire, du magenta au jaune. Je vais pouvoir changer sa saturation, par exemple, le rendre plus ou moins saturé. Voilà, donc il va devenir plus ou moins saturé, ainsi que sa luminosité. Et je vais pouvoir faire ça pour chacun des canaux, en sachant que seul le point concerné va être impacté. Donc si je change ça, l'ensemble de ces couleurs-là n'auront aucun effet. Et si vous avez aussi la possibilité d'afficher une image test, hein, donc en image de gris, pour pouvoir contrôler à la fois votre gamma et votre point blanc, votre linéarité, pour savoir si vous impactez bien votre point blanc comme vous le souhaitez. On va la masquer. Et une fois que vous avez peaufiné, fine-tune votre moniteur, votre profil avec votre œil, eh bien en faisant suivant, il va vous recréer la cible avec les paramètres donc qu'on avait au départ, à savoir sur de l'Adobe, non, je sais plus sur quoi on était sur du BT2020, mais en prenant en compte les modifications visuelles que vous avez indiquées à Color Navigator. Voilà.
Donc c'est très pointu. Dernière chose que je peux pas vous montrer là, mais c'est que sur les moniteurs CGX, dans les fonctions avancées, vous avez une troisième case ici qui va vous permettre d'émuler une lutte ou un profil ICC, c'est-à-dire qu'au sein d'un volume couleur quel qu'il soit, vous pouvez de façon dynamique charger le profil d'un papier, la lutte de Harry Potter. Donc vous restez avec votre log, vos fichiers S-log, voilà, et à la volée, plutôt que de façon logicielle, vous allez demander à l'écran d'importer, d'émuler une lutte. Donc ça peut être aussi très pratique. Dernière chose que je peux vous montrer sur Color Navigator, ça va être la validation, où je vais pouvoir faire des validations en RVB ou en CMJN. Donc là, par exemple, RVB, qui vont vous permettre d'avoir un suivi, donc de vérifier si votre moniteur suit les normes ou de vérifier de façon périodique. Donc, par exemple, sur cette, je crois que je l'avais fait sur natif, si je viens ici dans les paramètres de la cible, non, pardon, dans afficher les détails, je vais avoir donc tous les détails complets techniques de ma cible, ce que j'ai demandé, ce que j'ai obtenu, quand est-ce que ça a été fait, quel appareil de mesure, etc. Mais je vais surtout avoir l'historique de toutes les calibrations que j'ai faites, hein, voilà. J'ai un résumé ici, mais ce qui va être intéressant, c'est ici, je vois qu'il y a validation, et si je vais appuyer sur détails, je vais avoir le résumé, plutôt détaillé, pardon, de ma validation, où je vais voir l'ensemble le nombre d'heures, etc., ainsi que l'ensemble des patchs que j'ai mesurés en 8 bits et 10 bits, avec les delta E qui vont venir s'afficher. Et ce qui va me permettre, ben, par exemple, si ça fait 5 ans que j'ai mon moniteur, je vais me lancer sur une prod, je fais une validation, je vois par exemple que le bleu ici, il est dans les choux, il est au-dessus d'un delta de 2, et bien je vais pouvoir dire, ben, tiens, je vais faire attention avec ce moniteur de prod, peut-être que je le relègue à un travail moins critique et je me rééquipe par exemple. Et bien évidemment, on peut sortir un PDF de ce type de validation. Donc voilà, c'est un aperçu rapide de Color Navigator. Donc là, j'ai fait fermer. Il est en train d'enregistrer l'ensemble des profils couleurs au sein du moniteur. Enfin, donc pour résumer, enfin, Color Navigator 7, ben voilà, votre écran il est calibré. Avec le temps, il se décalibre. Il se réétalonne pour revenir à son état d'usine. L'intérêt aussi de Color Navigator, c'est Color Navigator Network, qui est une solution qui est intégrée au sein de Color Navigator et qui va permettre à un administrateur, quel qu'il soit, via les serveurs sécurisés cloud d'AISO qui sont basés au Japon, et en sachant que seules les données colorimétriques sont envoyées, on a déjà fait le test sur des grosses sociétés qui font des jeux vidéo ou des films, ils avaient peur justement pour la sécurité. Effectivement, on a fait des tests. Seul ne sort que un petit paquet de kilos octets qui dit tel moniteur étant tel profil couleur. Rien d'autre ne sort. Donc, ne vous inquiétez pas. Et en gros, l'administrateur va pouvoir dire que le studio A va être lundi matin de telle heure à telle heure sur tel profil couleur. Il va aussi pouvoir permettre de désactiver tous les boutons qui sont en façade du moniteur de manière à ce que l'opérateur, le graphiste, VFX, ne change pas, selon ses bons vouloirs, le pipe graphique. Et voilà. Et tout ça va être centralisé. Et voilà. Donc, en termes de déploiement, vous n'avez pas à venir et de dépêcher un technicien écran sur écran pour faire la calibration. Moins d'erreurs humaines, un gain de temps, une sécurité et surtout une visualisation des actifs à distance et une responsabilité maîtrisée. Et dites-vous que sur un parc de 80 écrans, le gain que ça peut permettre de passer sur du CG et une solution de Color Navigator, ça peut s'élever jusqu'à plus de 50 000 euros, 50 000 euros sur 5 ans pour 80 moniteurs. Au minimum, et là je suis vraiment dans la fourchette basse, hein, c'est-à-dire en considérant que le salaire moyen, c'est sur 80 écrans, ça va faire à peu près 587 heures de calibration, en considérant qu'on calibre 10 minutes, en sachant que si vous faites une calibration externe, vous êtes plus de l'ordre de 20 minutes, une demi-heure que de 10 minutes, mais dans mes calculs que j'ai fait vraiment au bas de l'échelle, si vous ne passez que 10 minutes par moniteur, ce qui dans la vraie vie n'est pas faisable, voilà, sur 5 ans, ça vous fera 50 000 euros, et si voilà, ça sera 150 000 dans la vraie vie. Voilà. Dernier point enfin, c'est au niveau de la support et des formations. Via Progis, on vous propose bien évidemment une aide à la calibration pour venir calibrer vos écrans.
Et on propose aussi des tickets de support technique vis-à-vis de votre config et de la gestion couleur, parce que souvent la problématique ne vient pas du moniteur, mais de la configuration informatique des divers pilotes et compagnie. Et on propose ici des formations, là on va aller plus en détail sur la gestion de la chaîne graphique. Donc voilà, pour résumer, pourquoi choisir Aizo? Je vous laisse lire, mais c'est surtout la qualité de la fabrication japonaise, hein, tout est fait dans nos usines. En sachant que voilà, il y a un respect social, que donc ce sont des travailleurs japonais et allemands, donc on n'est pas du tout sur un adolescent en Chine. On va avoir des salaires minima qui vont être respectés, des conditions de travail qui vont être respectées. Tout ça est dans, c'est pas forcément l'image qui va être belle, mais c'est la philosophie. Le fait qu'on soit reconnu numéro 1, alors je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais Color Edge, c'est la division d'Aizo pour les arts graphiques, mais c'est une toute petite division. Il faut savoir que, par exemple, on est très présent dans le médical. Au Japon, il y a plus de 90% des parts de marché qui sont d'Aizo pour la radiologie, ce genre de choses. Dans l'air traffic control, dès que vous prenez l'avion dans les tours de contrôle, c'est des écrans Aizo. Et puis après dans le militaire, par exemple l'armée quasiment, enfin je sais pas, quasiment toute l'armée, toutes les corps d'armée américaines ainsi que l'armée française est équipée en moniteur ISO. Donc par exemple les Mirage 2000 c'est des écrans ISO, les Charles Leclerc c'est des écrans ISO. Même dans la station spatiale internationale dans l'espace ce sont des écrans ISO. À la RATP c'est des écrans ISO, à la SNCF c'est des écrans ISO dans les gares. Donc voilà, dès qu'il y a besoin de qualité de fabrication, puisqu'on est les seuls à avoir nos usines et tout gérer de A à Z, ben on a vraiment cette reconnaissance-là en pérennité. Le fait qu'on ait notre SAV en France, donc à côté de Marseille, à Vitrolles, le fait que pour les moniteurs de la gamme CG, au-delà de la garantie de 5 ans, c'est la qualité qui garantit pendant 5 ans, pas simplement le fait qu'ils s'allument. Le fait qu'on a une réelle approche métier, on sait parler de vidéos, on sait parler de photos, on sait parler d'autres choses. Et aussi le fait qu'en cas de panne, nous, on récupère l'écran défectueux à nos frais. On vous envoie un transporteur ou un expert ISO, il vient récupérer l'écran. Si on voit qu'on a la pièce au SAV, on vous le répare dans la foulée, on vous le renvoie. Si c'est pas le cas, qu'on doit commander une pièce au Japon ou en Allemagne, par exemple, ça va prendre du temps. Et bien évidemment, on vous prête un moniteur identique ou supérieur pour que vous soyez pas du tout impacté par l'immobilisation. Et si vous êtes sur un projet particulier, et bien on peut même anticiper, c'est-à-dire le jour où on vient vous récupérer l'écran, on vient avec l'écran qui peut être recalibré, nous d'usine, selon vos propres presets, de manière à ce que vous ayez zéro interruption dans votre flux de production. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors là, mon tableau n'est pas à jour au niveau des numéros des modèles, mais par contre, c'est un petit tableau qui peut vous aiguiller si vous hésitez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, quelqu'un qui veut faire de la vidéo pro, par exemple, eh bien, les CG non X sont moins recommandés. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, bien évidemment, mais sont moins recommandés. Le volume couleur sera le même, mais il y a des, voilà, si vous avez besoin de certaines, notamment la 3D LUT, ce genre de choses, mieux vaut passer sur un CGX. Voilà, ça c'est le même tableau comparatif, mais plus détaillé. Et puis voilà, le temps que vous commenciez à me poser des questions, si vous en avez. Voilà, je vous montre quelques personnes qui travaillent avec nous, dont je pense certains logos vous parleront. Donc, principales chaînes de télévision, hein, puis les studios de prod, que ce soit en France ou à l'étranger, tous ces gens-là, dans le luxe, puis après dans le print plus conventionnel, voilà, avec les marques telles que Nikon, Leica, Harcourt, Epson, voilà, puis même dans le packaging pour par exemple Miller, Picard, Leclerc, Maximo, etc., etc. Voilà, j'ai fini mon tour de table, mon exposé. J'attends d'échanger un petit peu avec vous si vous avez des questions d'ordre technique ou autre.
Oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que à l'occasion de ce webinaire, j'aurais dû en parler, à l'occasion de ce webinaire, on va avoir des tarifs préférentiels donc sur le site de Progis directement et qui sont valables jusqu'à la fin mars, si je ne dis pas de bêtises. Hop là. Le temps que je vous trouve la page. Donc je peux vous la mettre ici. Ou si vous allez directement donc, sur le site 3DVFFR, vous allez avoir ici, dans le matériel, vous allez avoir les écrans ISO. Et dans les écrans ISO, vous allez pouvoir retrouver les moniteurs que je vous ai présentés avec le prix remisé. En sachant que les prix sont à comparer avec les prix officiels ISO.fr. Voilà, donc si par exemple je compare par exemple le 319 qui normalement est à, donc là les prix sont en TTC à 4759 TTC, là il va passer à 4300 TTC, donc vous avez de vraies bonnes réductions. Oui, alors j'ai une question pour la garantie, effectivement, garantie pièce et main-d'œuvre. Et effectivement, sur un moniteur ISO, tout est garanti. C'est-à-dire que, vous savez, c'est un peu comme des contrats d'assurance avec les astérisques et les petites lignes en minuscules, en pattes de mouche, qui sont tout à la fin du pavé de 30 pages. La plupart des gens qui fabriquent des écrans, enfin qui vendent des écrans, déjà ne garantissent que de 2 ans leur écran. Et généralement, souvent, par expérience, tout est garanti, sauf la dalle, le rétroéclairage. C'est-à-dire, ils garantissent le plastique, le pied, tout ça, mais souvent ni la dalle ni le rétroéclairage. Et donc, effectivement, nous, on garantit tout ça et en plus, on le garantit pour qu'il fonctionne. Alors, au niveau Oui, le 248 est aussi compatible, effectivement, oui. Donc la question était est-ce qu'on peut implémenter? Oui, donc si vous avez besoin d'implémenter des profils HDR sur les moniteurs compatibles, eh bien, soit vous rapprochez directement de Progis, à info@progis.com, soit vous pouvez m'envoyer un mail à fred@iso.fr pour que je vous explique les démarches à suivre. A priori, vous n'avez pas d'autres questions. Je vais maintenant couper mon micro. Je vais rester encore quelques minutes si vous avez, s'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce webinaire. Merci encore à Boris, à Progis de nous avoir permis de le faire. Et puis, je vous invite à vous rapprocher soit directement de Progis, soit de moi, si vous voulez récupérer le lien pour le support du webinaire. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et merci encore à tous.